Bonjour à tous, c'est Simbabwe, on se retrouve pour une, une vidéo de qualité. Aujourd'hui, c'est déjà les 13 ans de Twitter. Bon, en gros, ça a été créé euh, le 21 mars. Je sais, sauf que c'est le 15 juillet que Twitter a été ouvert au public. Du coup, ça fait 13 ans qu'on peut tweeter. Pour ceux qui savent pas, Twitter, donc c'est un réseau social dans lequel on peut échanger des messages euh, de 280 caractères. Alors, 280 caractères, faut bien se rendre compte que c'est vraiment pas beaucoup. Hein, ça fait, on peut faire juste quelques phrases avec ça. Et en fait, c'est ce qui fait la force de Twitter, c'est que c'est quelque chose qui est, qui est rapide et concis. Donc, on peut l'utiliser pour réagir à des, des sujets d'actualité, euh, tout, tout genre de choses. Bon, après, c'est pas pour discuter avec des gens, soit. Hein, Sinon, t'es obligé de faire des freuds, c'est un peu chiant. Bref, euh, donc c'est très utilisé pour les usages médiatiques, par exemple, parce que ça permet surtout à. Aux aux informations de circuler très vite, hein. par exemple la mort de Michael Jackson ou des séismes qu'il y a eu, enfin des telles catastrophes et tout, ben, grâce à Twitter, on peut très vite communiquer, c'est très sympathique. Et évidemment, c'est utilisé par des personnalités, donc on peut citer les démocrates des de années 2000. Évidemment, l'exemple le plus polémique, ben, c'est Donald Trump, évidemment, qui passe son temps à tweeter et insulter la Corée, la Corée du Nord, du coup, évidemment, ça fait un petit peu peur à tout le monde. Donc vraiment, c'est euh, vraiment très un réseau social très important, Twitter, euh, dans le monde d'aujourd'hui, à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création du Parti communiste japonais. Et là, vous allez me dire, ouais, on s'en fout. Mais en fait, c'est un, un parti communiste, pas comme les autres. Alors déjà, il a été créé dans les années 20. Euh, évidemment, il a été interdit parce qu'à l'époque, le Japon n'était bah, pas trop d'extrême gauche. Bon, ça vous allez me dire, c'est comme tout le monde. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que euh, dans les années 50, ils avaient des résultats nuls. Et à partir des années 80, ils ont commencé à avoir de, de bons résultats. Voilà, même à partir des années 70. Et après les années 80, ils ont eu même de bons résultats. Contrairement à tous les, à la majorité des, des des partis communistes, parce que dans les années 80, bah il y a le, tout qui a tout, tout s'est cassé la gueule. Et pourtant, bah, le parti communiste japonais a commencé à, il a, il a, continué à faire son petit monde et tout. Et aujourd'hui, il valent quand même pas mal, hein. Regardez, euh, bon, euh, 10%, voilà, les dernières élections, c'était 10. Ça va à peu près, quoi. Vous voyez, c'est le quatrième, cinquième parti. Et ça l'est depuis super longtemps. Donc c'est quand même intéressant de voir ce genre de choses, alors parce qu'en en France, le parti communiste, il est un peu mort, quoi. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Bon, après, euh, au niveau des, des idées, ils sont contre, euh, contre le nucléaire au Japon. D'ailleurs, c'est un des, des seuls partis à l'être. Du coup, évidemment, sont, avec, avec Fukushima, ils sont devenus encore plus populaires. Euh, ils, sont, euh, ils sont pour l'empereur, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a un empereur au Japon. Euh, ils, par contre, ils sont contre le drapeau et l'hymne officiel. Bon, ils sont contre le nationalisme, hein, c'est des communistes. Mais voilà, c'est quand même plutôt intéressant de voir ce, de voir ce genre de choses. Un parti comme ça qui fait, il fait presque 10%, ça mérite le respect. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire. D'un régime, c'est l'anniversaire du Concordat. Alors est-ce que vous connaissez le Concordat En gros, à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu une révolution, on en a parlé hier. Et bah en fait, euh, bon avant c'était le catholicisme était vraiment lié à l'État. Et du coup, après la Révolution, bah il y a eu une séparation. Sauf que après il y a eu le coup d'État de Napoléon et bon ça faisait dix ans que euh, les révolutionnaires à l'Église arrêtaient hein, pas de se taper dessus. Du coup Napoléon est allé voir euh, donc euh, le, le Pape et ils ont fait un accord donc pour euh, pour vraiment mettre les choses au clair et euh, donc voilà c'est en fait c'est un compromis le Concordat c'est entre euh, soit euh, l'Église qui contrôle tout et l'Église totalement séparée de de l'État de, de quoi. Et donc euh, voilà, ça, ça, ça permettait la liberté de culte aux gens, mais on, on marquait bien quand même que le catholicisme était la religion d'État. Et donc ça a duré une, une centaine d'années, jusqu'en 1905, où il y a eu la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et donc euh, bah, c'est intéressant. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est toujours utilisé en Alsace-Moselle. Parce que oui, je rappelle que ça, que ça a été enlevé en 1905, cette histoire. Sauf qu'en 1905, l'Alsace-Moselle, bah, elle n'était pas française. Et c'est intéressant parce qu'il y a plein de lois qui sont passées entre 1870 et 1920, bah, qui sont pas en vigueur en Alsace-Moselle, étant donné que l'Alsace-Moselle était allemande. Enfin, bon, bon, voilà, c'est intéressant à retenir. Mais juste retenez le Concordat parce que c'est un truc qui, est, qui, a fait, qui, a, qui a souvent été soumis à débat et tout, et qui a duré une bonne centaine d'années, donc euh, à retenir. Donc voilà, les trois événements à retenir pour aujourd'hui. Hein, on a les 13 ans de Twitter, on a les euh, 80, beaucoup d'années du, du Parti communiste japonais, et on a le Concordat, évidemment, qui a duré une centaine d'années. C'était Simbabwe, merci d'avoir regardé, bisous